je m'appelle Félix Rouillard, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur. J'ai embarqué il y a maintenant 5 semaines avec 15 coéquipiers au wagon et je fais donc partie de la première promotion du wagon. Donc mon projet aujourd'hui se trouve à la croisée de deux domaines de compétences qui sont l'informatique et le milieu de l'art, le monde de l'art et plus précisément le marché de l'art. A priori, ce sont deux mondes qui semblent difficiles à unir, mais mes dernières années d'expérience en galerie d'art et en maison de vente aux enchères m'ont permis d'identifier un certain nombre de besoins pour ce marché qui est en pleine évolution. Il me semble aujourd'hui vraiment impératif d'accompagner les différents acteurs de ce marché dans la transition digitale. L'apprentissage du code s'avère fondamental pour deux raisons dans le développement de mon projet. C'est que d'une part, je veux être en mesure de développer moi-même le prototype, puisque je suis la personne qui a identifié les problèmes et je ne tiens pas à déléguer cette mission-là. Et dans un second temps, une fois que le prototype aura été éprouvé et testé suffisamment, je tiens à ce que ma relation avec l'équipe technique soit la plus claire et évidente possible. Donc il me faut impérativement les clés techniques pour maîtriser le projet. Alors, pour développer mon offre et mon produit aujourd'hui, je me base sur un principe très simple, c'est la réactivité. Je suis en contact permanent avec mes futurs clients et je tiens absolument à prendre en compte toutes leurs remarques au fur et à mesure du développement du prototype. C'est pour ça qu'une formation qui m'apporte les compétences pour développer moi-même mon prototype est quelque chose d'extrêmement avantageux à mon sens. Ça fait 5 semaines aujourd'hui que le wagon a débuté. Je suis vraiment ravi de ce qui s'y est passé. La formation est extrêmement intense, mais ça c'était annoncé, je le savais. C'est exactement ce que je recherchais, à la fois pour le format et pour le mode d'apprentissage. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est pour moi extrêmement important que je ne pouvais pas mesurer avant de rentrer au wagon, c'est la richesse des échanges qui s'est créée et l'émulation qui est née de cette équipe, de ce petit pool d'entrepreneurs, nous sommes 16. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant puisque nous avons chacun des parcours extrêmement différents. Et j'ai personnellement tiré beaucoup de bénéfices des différentes discussions, des échanges et des retours d'expérience de chacun. Si j'avais un conseil à donner aujourd'hui à un autre start-upper, sans hésitation, la comparaison est peut-être un peu triviale, mais je le dirais de savoir accepter de mettre les mains dans le cambouis. Manipuler le code sans forcément maîtriser une quantité de langage affolante, c'est pas la question, mais savoir de quoi on parle, de quoi il retourne, c'est quelque chose d'absolument fondamental.